يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma table de Ramadan. J'espère que ça vous donnera des idées. الزول في اللون مرحبا يسون على شانيو عسلام نون إويذي قلان إي مرحبا يسون إويذي ديرنان ذي جديدن أكني دني غساقت خذ معيذون الطفلة رمضان إن شاء الله ذا الطفلة روني دي عجفون ذا لغوسات روني دي عجفون رمضان مرفو حس عذي أردياوين إن شاء الله سحان ذا لهنا. Bon Ramadan à tous les musulmans. Que ce mois sacré soit porteur de bonheur et de santé surtout. On va passer à la préparation. Voilà, je vais commencer par le pain. Là, j'ai un demi-verre d'eau tiède. Voilà, je le verse dans le saladier. Une grande cuillère à soupe de sucre, Une cuillère et demie de levure de boulangère. Je mélange et je le laisse à peu près 2 à 3 minutes. La guette fard de nefs le caisse poimen ou hmen ara mlih ou smdi thara rani ghas taghon jawt n sskar taghon jawt d nefs entronia atjem thakni wahed sna tha thlatha dqayaq maximum 5 dqayaq et ensuite adoral mthar ghoros. Et là, je rajoute un verre et demi de lait tiède. Voilà, toujours. Voilà, un verre et demi de lait tiède. Et que c'est un orle casse de neuf souffkins et Et là, je rajoute un quart, même pas la moitié, d'huile. Un quart. Voilà. Même pas un sofngel, un zith. Voilà, je mélange. Je vais essayer de vous donner les mesures exactes. Toujours avec le même verre. Voilà, là j'ai mis un verre de farine. Et je rajoute une cuillère à café de sel. Je mélange. Dégage, il y a un petit car les mesures sur le cassina. Toujours sur le caisse. Et ensuite, c'est un nom de ça. On joue le kahwa, le melh. جامد سلام مثل الملح نكون تاكذ
أكد لا لوفور نخونت ولا شد تسلارة إلا جو راجوت ان دوزيام فير فوالا لا جي دو فير دو فارين Après, il y a la farine qui boit, il y a la farine qui ne boit pas. Ça dépend des farines. Voilà. Avec une dernière, la farine est sainte, la farine est sera. Et là, je rajoute la moitié et je vais voir. Les gars, c'est un nom dans la caisse, il n'y a pas de douleur. Ou si je mets les Voilà, là, je prends juste une cuillère en bois. Là, j'ai pas besoin de pétrin. Et je rajoute, voilà, l'autre moitié. Alors, j'ai mis 3 verres de farine. Les gouttes, je vais vous faire un peu de pétrin. Je vais vous faire un pétrin, je vais vous faire un peu de souffle-tous. Sans, je vais vous faire un peu de pétrin, je vais vous faire un peu de pétrin. Je vais vous faire un peu de pétrin, je vais vous faire un peu ميدولي ميديولي وركثية جيني سخسيم تسلوي أدالي ويسيني فاردين أبري دينا تخمم ثاغرو من كنت أديالي ونسوي تخسيم تسلوي لا جي راجوتي لا مواتي ألوغ 3 فيغ إي دومي Voilà, je vais voir la texture avec mes mains. Voilà. Elle colle un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais la dégazer et je la laisse encore reposer à peu près 10 à 15 minutes. Voilà. Voilà. Pour une deuxième fois. Et là, je vais préparer la chorba fric. Là, j'ai mis juste un peu d'huile dans la cocotte et je rajoute le semen. Si vous n'aimez pas l'odeur de semen, vous ne mettez pas. Allez, rachetons une zith. Allez, rachetons une semen. Moi, je vais mettre une semen ou ça va me faire. Voilà, j'ai la viande de veau. Voilà, je les ai coupés en petits morceaux. Voilà. Je rajoute les oignons. Les gassernour, le fsol. Voilà, je le laisse comme ça, à peu près 3 minutes. Et ensuite, je rajoute la coriandre et la menthe. Mais je vais vous montrer que je vais vous montrer que je vais vous montrer que je vais à peu près 2 à 3 minutes. Ensuite, je vais vous montrer que je vais vous montrer que je vais vous montrer. Là, je rajoute du poivre noir. On se nourrit le filet verchen. Ras le hanout.
la cannelle, juste un tout petit peu, pas beaucoup. أسانوغ القرفة شي دي طحكين القرفة ما تشطاس جوست قاموم فطغن جوثني القهوة إش غاجوت بابريكا أسانوغ شي طحي في الفلازقوة لي زيبيس فو ميتاس كو فو فولي إلا إش غاجوت دو سيل أكن دنيغ لي زيبيس كل يوث أشو يتفغى أستاري شارفينوس Je mélange et je le laisse quelques minutes. Et je rajoute ma purée de tomates. Regasernour tomates, je tarap imse tomates, esternumse ardakhel. Et là je rajoute mes légumes. Voilà, carottes, courgettes, une petite pomme de terre. Regasernour le khodraino. سيرت بطاطات نفس كورجيت راني غاس لا كاروت فوالا Je rajoute une petite cuillère à café de concentré de tomate, pardon, les points chiches. Voilà, mis à venir le khodraino, à venir à ce tharonja ou le kahwa en tomatèche, à venir à ce le hamaz. Yad marqas ou man yahmen. Toujours, à kni kont qaras ou man yahmen, à riouth le jiha. Voilà, et là je rajoute de l'eau chaude, toujours. Et je la laisse cuire. Et là, je vais laver le fric. Voilà. Je vais laver plusieurs fois. De gâtir dans le fric et nous, tu donnes des deux d'orbats, tu donnes des chlewen. Et tu sers de m'a le mat ou le m'a mené guédis d'yannun. Voilà. Deux fois, à trois fois. Et ensuite, je mets de l'eau et je le laisse comme ça. Il va gonfler dans l'eau. Et là, on va préparer les briques ensemble. Là, j'ai une boîte de thon, deux œufs durs coupés en petits morceaux, une échalote, du persil, fromage blanc, un peu de citron, poivre noir et les feuilles de briques. Là, je vais mélanger tous les ingrédients. Voilà, les œufs, le thon, l'échalote, du persil, un peu de citron. Je rajoute poivre noir. Je rajoute pas le sel parce que les fromages ils sont salés. Voilà, je prends deux grandes cuillères bien remplies du fromage blanc. Je rajoute du gruyère. Voilà, je mélange le tout. Là, je vais faire un modèle. Voilà, juste avec une feuille. Je la coupe pas en deux. Voilà, si vous aimez les briques gros, voilà, je vais faire juste avec une feuille, voilà, comme ça. Voilà, le bourrek, d'en prendre qu'il n'y ait la feuille. Ou sinon, je coupe la feuille en deux. Si vous aimez les petites briques, voilà, comme ça.
et après c'est à vous de voir. لكن دنيا ما تحممت البورا كون كنت ذا قرحان اتخممت جوج سيو ثلا فاي و سينو غاتكزممت لا فايينا اون دو فوالا كوم سا مو جو في لي فير كوم سا جو في كوبي لا فاي اون دو Et là, je vais passer à mon pain. Je vais façonner mon pain. Voilà. Je vous laisse regarder. Voilà, je coupe ma pâte, je vais faire des boules. Voilà. J'ai accéléré la vidéo, déjà à tasse, déjà ça à peu près à 900 saa. C'est pour ça que j'ai accéléré chez toi la vidéo. Comme ma vidéo elle est longue, c'est pour ça que j'ai accéléré voilà, les images. Je vous laisse regarder. Voilà, là j'ai enlevé mes légumes, je les ai mixés ou écrasés avec la fourchette et vous remettez encore les légumes dans la chorba. Voilà. Et là j'ai rajouté, le flic dedans. Et là je vais badigeonner mon pain avec un jaune d'œuf plus 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, comme vous le voyez, et je rajoute les graines de nigel et les graines de sésame. Et je le place au four à 200 degrés.
Et là, je vais passer à mes boulettes de viande. Là, je vais faire une petite sauce. Voilà, je vais faire les... Voilà, j'ai pris, une sauteuse. J'ai mis un peu d'huile. Et je rajoute les oignons avec l'ail. Et je rajoute un tout petit peu dans le saladier où il y a la viande hachée. Voilà, c'est la viande hachée de veau. Voilà, je le laisse comme ça quelques minutes à feu moyen. Je rajoute le persil. Voilà, comme ça. Je rajoute la purée de tomates. Je vais ramener les boulettes bouxoum. Je vais ramener chetouh la sauce, le sol, t-shirt. طوماطيش المعدنوس تتجمث هذه يقلو مليح البصل نكونت اي جو راجوت بوافر نوار فوالا دو بوافر نوار دو سيل pareil je mets la même chose dans la viande hachée du sel du poivre du persil et je rajoute l'eau. Voilà, j'ajoute à peu près deux verres d'eau. Et je laisse cuire. Et là, je vais passer à ma viande. Pardon. Là, je vais faire les boules. Je vais faire les boulettes poussoum, tim chtohil, match tim koranin. C'est une lintken normale. Voilà, 10 minutes après, je rajoute mes boules, pardon, dans la sauce. Et là, j'ai fait une entrée, l'hors d'œuvre. Voilà, une petite salade. Voilà, il y a tout dedans. Si vous voulez comment j'ai fait cette salade, vous me dites dans les commentaires. Comme ça, je vais refaire la prochaine fois avec vous cette salade. Mais vraiment, tu vois, les mecs qui travaillent, je la daïa gagné. Ils me disent dans les commentaires la prochaine fois quand ils travaillent la salade est gagnée. Un petit signe, un petit travail. Voilà. Voilà notre table. Voilà la soupe, shorba. Le ham lhlou dans les bonbonnières comme ça, individuelles. Le ham lhlou, j'ai déjà fait avec vous. Le pain. Que j'ai fait avec vous. Nos briques. Les boulettes de viande accompagnées avec des frites. Je les ai coupées en rondelles. Je vous laisse regarder la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour plus de vidéos et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Mettez un j'aime de la vidéo qui vous soutiendra, le like, le partage, mettez un kini ou une dernière jacoune de la nette louise à la vidéo nizan mais vrai bien.
نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا مرحب مرحب يا هلال